Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti 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 Arium. Faites-vous partie de ces personnes qui sont en attente d'un nouvel être, d'un nouveau monde, d'un nouveau paradigme? De quoi êtes-vous en attente? Voir cela est important. De quoi êtes-vous en attente? Qu'est-ce qui en vous a besoin de croire à une nouvelle civilisation? J'entendais un partage, une civilisation où l'argent n'existerait pas. Croyez-vous vraiment que le problème soit l'argent? Pourquoi attendez-vous, pour certains, ce qu'on va appeler des extraterrestres, des êtres intergalactiques? Quelle est cette partie en vous qui a besoin de leur parole? Et ces paroles sont-elles véritablement des paroles d'êtres intergalactiques? Ne sont-elles pas tout simplement votre inconscient qui aspire à autre chose? L'autre chose auquel vous aspirez, que vous attendez, quel est-il? De quoi êtes-vous en attente? L'attente d'un homme nouveau, l'attente d'une nouvelle société, l'attente d'un nouveau président, l'attente d'un nouveau monde. Voyez-vous que l'attente fait que vous n'êtes pas et que vous vous maintenez lié au samsara, la roue de la souffrance, la roue des réincarnations, la roue mentale. Être en attente ou dans l'espoir de. Appartient au domaine de l'être identifié, attaché, lié. Je suis bien consciente que les temps actuels vous remuent, vous insécurisent, vous font peur pour certains. Et du coup, vous attendez, vous espérez. Un nouveau monde, un monde meilleur, un monde, comme j'entendais, où il n'y aurait plus d'argent, où il n'y aurait plus de dirigeants. Cherchez-vous à amener le paradis sur terre? Croyez-vous que le paradis est ailleurs? Que cherchez-vous derrière cela? Voyez-vous la quête de bonheur qui se cache derrière ces attentes, ces espoirs? Alors il ne s'agit pas non plus de désespérer. La non-attente ne signifie pas désespoir. Au contraire. La non-attente
c'est être ici et maintenant. Et être ici et maintenant veut dire qu'il n'y a plus de résistance à ce qui est. Il n'y a pas de mental qui imagine être dans l'ici et maintenant. C'est être ici et maintenant, tel que c'est. Chacun de nous a comme un rôle à jouer le temps de cette incarnation. Et si vous le souhaitez, ce rôle peut encore durer des millénaires et des millénaires. Après avoir quitté ce corps-ci, vous en reprendrez un autre. Et vous continuerez sur d'autres plans. Que désirez-vous? Pour certains, le temps de l'éveil ne leur semble pas être propice. Ils n'y pensent pas. Pour d'autres, ils n'y pensent pas, mais c'est juste parce qu'ils ne mettent pas ce mot-là sur le désir de leur cœur. L'éveil n'est qu'un mot. Ne faites pas du mot votre prison. Attendre un nouveau monde, attendre un nouvel être, attendre une nouvelle conscience, attendre une nouvelle société, un nouveau président, de nouvelles circonstances, c'est comme attendre un nouveau métier, une nouvelle maison, un nouvel amant, un nouveau mari, une nouvelle femme, une nouvelle maîtresse, un nouvel enfant. La quête du bonheur. Je disais qu'il ne s'agit pas en n'étant pas en attente de tomber dans le désespoir. Parce que dans un sens, l'attente de quelque chose d'autre, le rêve, vous maintient dans la réalité relative, vous coupe de l'instant présent, du ici et maintenant, vous coupe de votre être-té, de votre véritable nature qui n'est pas personnelle. Et si vous posiez vos attentes, que se passe-t-il? Certaines personnes habituées à vivre en ville ne supportent pas de se retrouver passer une nuit dans la campagne, dans la nature, où il y a le silence de la nature, juste le vent, quelques animaux, parce que cela les ramène à un silence intérieur auquel ils ne sont plus habitués. Tellement c'est le brouhaha dans leur esprit en permanence, et le brouhaha extérieur de la ville. La non-attente vous ramène au même silence. Il n'y a plus de projection, d'imagination, de révolte, de remords, d'espoir. Juste ce qui est, en l'instant. Dès lors que vous pénétrez dans cet espace de non-attente, d'être ici et maintenant, vous êtes en lien direct avec la vie.
avec la conscience, l'énergie de vie. Et en cette conscience, nul besoin d'imaginer un monde meilleur, autre que ce qu'il est. C'est revenir au cœur, revenir au centre. Cela ne veut pas dire que chacun sur Terre joue son rôle de la meilleure façon possible. C'est un peu comme au théâtre. Ce n'est pas parce que l'on est comédien que l'on est un bon comédien. Un même rôle va être joué de manière différente selon les comédiens. Et puis, il y a un jour un comédien qui sort du lot, qui incarne totalement, pleinement le rôle, qui fait que tout d'un coup, ce rôle n'est plus un rôle, ce ne sont plus des mots récités. Le personnage prend vie. Et le comédien n'est pas pour autant identifié au rôle qu'il incarne. Il ne se prend pas pour le personnage. Mais il le joue totalement, sans identification. Mais parce qu'il lui donne totalement vie. La vie peut s'exprimer. Si le comédien, alors qu'il incarne, qu'il joue le rôle, pensait à autre chose, pensait à un autre rôle qu'il va jouer demain, qui serait mieux, un meilleur rôle, un meilleur monde, il ne serait pas totalement dans la représentation. Il devrait revenir pour se former à nouveau, pour rejouer le rôle. Ce que je veux vous partager, c'est qu'attendre un monde meilleur, un nouvel homme, une nouvelle conscience, de nouvelles capacités d'éveil, quelque chose qui ne serait pas là, rêver encore d'être autre que qui vous êtes ou d'une autre société, d'une autre civilisation, revient à être comme ce comédien qui interpréterait un rôle en pensant à celui qu'il va interpréter demain ou dans une semaine ou le rôle qu'il aimerait jouer. Il serait très mauvais dans son interprétation. Il devrait revenir. Tant que vous êtes dans l'attente d'autre chose, que ce soit pour vous-même, pour la société, pour l'univers, pour les êtres sur d'autres plans, vous vouliez encore et encore au samsara, inévitablement. Alors que faire? Jouez votre rôle. Vous avez un rôle, vous aussi, un personnage. Ce personnage que l'on va nommer le Dharma en Inde, qui se révèle lors du montage de la roue de naissance. C'est votre script, mais ça n'est pas qui vous êtes. Mais ce personnage, ce n'est pas en le fuyant, ce n'est pas en rêvant d'un autre personnage que vous pourrez sortir, vous désidentifier de ce personnage.
Au contraire. Jouez votre rôle sans vous tromper de rôle, du mieux que vous le pouvez, sans rêver d'un autre rôle dans une vie prochaine, ou d'un autre rôle dans un autre monde, dans un autre décor. Comme s'il fallait mettre dehors le metteur en scène actuel, en mettre un nouveau. Faites confiance. Le divin est un excellent metteur en scène. Il n'a pas besoin que les êtres humains rêvent d'un autre monde. C'est pure illusion, arrogance, orgueil. C'est ce qu'on appelle le processus égotique, qui, en vous faisant miroiter d'autres mondes, d'autres univers, fait que vous ne trouvez pas la porte de l'éveil, la porte de Dieu, la porte de votre cœur, la porte de l'ici et maintenant. Prenez le temps de voir quelles sont vos attentes, vos espoirs. Et j'insiste, ce n'est pas devenir désespéré, au contraire. Être ici et maintenant, c'est être en vie. C'est la vague qui réalise qu'elle fait partie de l'océan. La vague n'a pas besoin d'inventer l'océan. Vous n'avez pas besoin d'inventer un monde meilleur. Juste de jouer votre rôle de vague en ce qui est. Et parce que vous jouerez votre rôle parfaitement au mieux, alors la grande scène de la vie sera la plus merveilleuse. Si chaque comédien quittait la scène pour aller jouer autre chose, ce serait la débâcle. Vous avez un rôle, le rôle de votre vie, de ce personnage qui n'est pas un empêcheur d'éveil. Chaque incarnation est une invitation à l'éveil. Chacune de vos journées est une invitation à l'éveil. Chaque seconde est une invitation à l'éveil. Chaque ici et maintenant est une invitation à l'éveil. Si en chaque ici et maintenant, vous êtes dans le ici et maintenant d'hier ou de demain, comment voulez-vous trouver la porte de l'ici et maintenant? Si en chaque ici et maintenant, vous êtes dans le regret d'hier, d'événements passés, de ce que vous avez dit ou de ce que vous n'avez pas dit, de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait, comment vous pouvez-vous être ici et maintenant? Si en chaque ici et maintenant, vous êtes dans l'espoir de l'ici et maintenant de demain, comment pouvez-vous être? Se poser ne veut pas dire ne plus rien faire. Vous allez réaliser que le personnage que vous incarnez, vous connaissez très bien tout ce qui doit se passer et que cela va se passer parce que c'est déjà inscrit quelque part,
et que vous n'avez pas à vous soucier de cela. Simplement revenir à l'ici et maintenant. Sans vous préoccuper d'hier, sans vous préoccuper de demain, sans vous préoccuper de l'ici et maintenant. Juste vous poser, juste être.